Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, ils ont dû faire leur rentrée. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Moi, la mienne, ça y est, elle est rentrée depuis à peu près une semaine. Ça s'est super bien passé. Donc, moi, ça me permet en plus de reprendre un bon rythme à la maison, de faire des travaux, de faire plus de choses. Je vais pouvoir faire plus de vidéos. D'ailleurs, je filme avec une nouvelle caméra. Donc, si vous pouvez vous me dire si vous préférez. Quand je filme comme ça, le truc c'est que j'ai pas vraiment de retour, donc c'est pour ça que je suis un peu plus stressée. L'autre c'est ma webcam, mais bon, j'ai un retour, mais l'image est de moins bonne qualité. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez que je filme avec cette caméra ou l'autre. Et puis voilà, donc on va commencer. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur mes échantillons. Donc j'ai quelques échantillons que j'ai utilisés. Donc souvent ce que je fais, c'est que toute l'année je mets des échantillons de côté, et puis quelques fois dans l'année je me dis allez, je vais utiliser des échantillons. Donc là ça fait 2 mois à peu près que je jongle avec quelques échantillons, et du coup voilà, je vais vous présenter les échantillons que j'ai utilisés, vous dire ce que j'en ai pensé. Donc pour commencer, il y a cet échantillon là donc j'espère que ça va aller quand je vais vous présenter les produits. Je vais être comme il faut, que ma tête sera pas coupée, que je serai centrée, je sais pas trop. Donc voilà. Donc c'est Franck Provost, soin expert réparation sans rinçage pour les cheveux abîmés, cassants ou fourchus. Donc j'ai bien aimé ce produit. Moi je mets ça, vous savez, je me lave les cheveux, je mets ça sur ma tête avant que ça sèche, c'est sans rinçage, sans silicone. Et j'ai bien aimé ce produit. Donc il y a aussi dans la même gamme, là c'était expert réparation, il y a le expert nutrition, et celui-là il est pour les cheveux épais, secs, très secs et frisés. Celui-là aussi il était très bien, donc pourquoi pas tester ces produits. Moi je sais que j'achète, vous savez, c'est un pot comme ça, c'est Dope ou Ultra Doux qui fait ça, et c'est pour les cheveux frisés, c'est super bien. Donc pourquoi pas essayer Franck Provost. Donc là maintenant je vais vous présenter ça, c'est Dope qui fait ça, c'est un shampoing 100% à l'aloe vera, 90% d'origine naturelle à l'aloe vera bio. Donc c'est dur de dire avec un shampoing si c'était bien, mais j'adore l'aloe vera, donc pourquoi pas tester le Dove à l'aloe vera bientôt. Donc après il y a quoi, il y a ce gel douche, donc c'est Vendôme qui fait ça, gel douche crème émolliente sur gras, donc c'est un gel douche crème. Donc c'est vrai que je me suis lavée et après j'avais la peau hydratée, donc ça fonctionne, il était vraiment bien. Après il y a ce produit, alors ce produit c'est incroyable, j'ai osé le mettre sur mon visage, c'est un slip mask pour bronzer. En fait vous mettez ça, un masque de nuit, vous vous levez le lendemain et vous avez bronzé. Il est anti-âge, ils disent natural glow. Et ben j'ai osé le faire, c'est à dire c'est pas un jour où je sortais hein, le lendemain, mais j'en ai mis sur mon visage le soir, et le lendemain c'est vrai que j'avais j'avais le teint allé et ça faisait pas un bronzage orange ou fake, c'était vraiment joli. Donc c'est James Reed qui fait ça, et franchement c'est un super bon produit. Ça s'appelle Overnight Tan, donc slip mask, tan face, masque de sommeil, bronzage du visage. Vraiment un super produit. Faites pas attention, mes produits sont sales, mais vu que c'est des échantillons qui ont été ouverts, c'est un peu compliqué. Donc là c'est quoi? C'est un démaquillant Deep Clean Wheel, donc c'est DHC Deep Clean Wheel qui fait ça. Donc je me rappelle plus trop si c'était bien ou pas, mais généralement je suis pas très conquis par ces produits là. Je sais plus s'il m'avait bien démaquillé ou pas celui-ci. Franchement ça me pose une colle, je sais que j'en avais utilisé un qui marchait pas du tout et un qui marchait. Je sais pas si c'est celui-là. Donc ça je peux pas vous dire si c'était bien ou pas. Donc après on va passer à gel nettoyant gommant pour le visage de chez Sisley. Donc il se présente comme ceci. Et ben j'ai bien aimé, franchement c'était un bon gommage. J'aime bien les produits Sisley en plus, donc voilà. On va racheter chez Sisley. J'avais le lait démaquillant à la soja, ça aussi c'était pas mal. Je me suis démaquillée avec, après c'est sûr ça n'enlève pas les crayons, le mascara et tout. Mais bon voilà. Et ça par contre, ça j'ai vraiment adoré, c'est un baume efficacité, contour des yeux et des lèvres, je sais pas si vous voyez, contour des yeux et des lèvres. Et alors ça c'est vraiment génial, c'est un gel. Je sais pas si vous avez vu la base NYX là, qui est toute gluante, qui revient, et bon, on dirait un peu cette matière. Vous mettez ça sous vos yeux ou sur vos lèvres et c'est vraiment génial. Donc mais bon,
Je pense pas que je pourrais me l'acheter. Les produits ciselés, c'est tellement cher. On va rester dans le luxe. J'ai eu deux échantillons. La prairie, donc j'ai eu essence Skin of Caviar pour les yeux. Alors ça, c'était vraiment génial. Je l'ai mis pendant une semaine et j'ai vu la différence. J'avais plus de cernes. D'ailleurs, il en reste un petit peu. J'avais vraiment plus de cernes quand j'en mettais. Et celui-là, c'est un anti-crème anti-âge déstressant. Ça, je le mettais le soir. C'est dur de voir, mais bon, ça devait être un bon produit aussi. Mais vraiment, celui des yeux, j'ai vraiment vu, c'était vraiment top top. Alors après, qu'est-ce que c'est ça? C'est un shampoing crème stimulant pour la pousse des cheveux du cré. Bon, ça, anaphage, je peux pas vous dire si ça m'a fait pousser les cheveux ou pas. Donc voilà, c'était pas nul, c'était pas bien, je sais pas. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai régénérateur cellulaire One Essentiel de Dior. C'est Dior qui fait ça. Donc c'est un sérum, je l'ai mis, il est bien. Après je suis pas, c'est dur avec juste une fois un seul échantillon, je trouve, de se rendre compte. Faudrait l'utiliser pendant une semaine et là et à la limite et encore, c'est pas sûr. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Après bah, celle-là je la connaissais, c'est Sian, c'est Lidl qui fait ça. Elle a été élue Victoire de la beauté 2016 Q10 crème de jour avec acide hyaluronique et vitamine. Donc elle est vraiment très bien, elle est très nourrissante, même en base de maquillage, c'est-à-dire avant de se maquiller, elle hydrate super bien la peau, elle est top. Donc j'aime bien cette crème. Après il y a l'huile lavante Lee Picard de La Roche-Posay. Alors cette huile lavante a été vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pas démaquillant, mais ça lave bien l'usage. Donc voilà. Après Filorgan Time Filler Eye Crème Axolue. Correction du regard, donc ça j'ai pas trop aimé cette crème-là. Donc voilà, j'ai pas aimé l'expérience que j'ai eue avec cette crème, et puis je sais pas, je pense pas qu'elle marchait. Après ça c'est Omniscience qui fait ça, c'est gel cheveux et corps pour se laver les cheveux et le corps. J'ai pas trouvé qu'ils sentaient bon, j'ai pas trouvé terrible. Bof bof bof. Après il y a Naturals qui fait ça. Donc je sais pas si vous les voyez. C'est, alors il y en a un, c'est un gel douche au citron, moi je trouve que ça sentait la pomme. Et un, c'est une lotion à l'huile d'olive. Et les deux, ils sont top top top, ils sentent super bon. Moi je crois que c'était à la pomme, j'ai adoré me laver avec. Et la crème, j'ai adoré m'hydrater avec. C'est super produit naturel. Voilà. Après on a quoi? On a L'Oréal Code Jeunesse. Donc ça je l'ai mis hier et aujourd'hui. Sérum extraordinaire anti-rides rajeunissant. Il a l'air bien. Donc voilà, si vous voulez le tester. C'est L'Oréal qui fait ça. Donc voilà. Après, on va rester dans les crèmes du visage. Bioderma Hydra Bio Sérum. Concentré d'hydratation, pré-déshydraté et sensible. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les sérums en plus. Donc, il était top. Après, ça, c'est Hydratation. C'est Daniel Jouvence qui fait ça. J'en avais trois, les trois mêmes. D'ailleurs, j'ai utilisé les trois parce que là, Daniel Jouvence, c'est son radin. En échantillon pour le corps, et vous mettre un petit truc comme ça. Donc j'ai mis les trois et j'aime pas l'odeur, donc ça sent les algues ou je sais pas quoi. Donc ça non, j'aime pas du tout. Donc là on a Pierre Rico Renaissance de nuit, donc ça j'ai beaucoup aimé, je l'ai mis hier soir et vraiment ça hydrate super bien. De toute façon docteur Pierre Rico, il faut des bons produits. Donc voilà, Renaissance de nuit, soin régénération active, top top top. Donc on va rester dans les crèmes, il y a la crème gel fondante hydratante, ça je l'ai mis ce matin et hier. Et celle-là elle est super bon, elle sent une odeur, moi j'adore, ça me dérange pas les crèmes qui sentent des parfums. Je sais que c'est pas bon parce qu'il y a du parfum, donc voilà. Donc ça a l'acide hyaluronique, à l'acide hyaluronique et aux extraits de grenade. Et franchement j'ai beaucoup aimé, c'est Beauty Success qui fait ça, je connaissais pas la marque. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé le... Comment elle faisait sur ma peau. Ah, c'est un sérum, j'ai mis ça comme une crème moi. Et ben, comme quoi, vous voyez, je trouve que c'est un sérum. Je croyais que c'était une crème. Donc ben, il est super super bien alors, comme sérum. Donc ça, c'est quoi? C'est Yves Rocher qui fait ça. C'est crème aux extraits d'Awan pour les peaux très sèches. Ça, j'adore. Rien à dire. Ça, c'est d'Olivia. Alors, cette marque, j'avais découvert et j'adore cette marque. J'avais en crème pour les pieds, là, c'est pour les mains. Et top, super bien. Si vous la voyez. Essayer, c'est vraiment top d'Olivia. Après il y a le baume du jardinier, ça c'est 1862, le couvent des minimes, il est super bien aussi. Et maintenant il me reste trois parfums. Donc j'ai ici le dahlia noir de Givenchy,
J'ai bien aimé ces notes un peu de vanille forte et tout, j'ai bien aimé. Après, j'ai essayé le Oh Mademoiselle de Givenchy, ça j'ai pas du tout aimé. Et le Amour Amour de Cacharel que j'ai pas du tout aimé, mais je suis très difficile en parfum. Donc voilà, c'est tout pour les échantillons que j'ai testés dernièrement. Donc j'espère que ben, ça vous aura aidé ou ça vous aura appris quelques trucs sur, sur ces échantillons. Ben, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification qui vous dira quand je sors de nouvelles vidéos. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!